Excusez-moi. Mais j'aimerais parler aux hommes qui maltraitent leurs femmes et leurs enfants à cause de leur maîtresse. Tu maltraites ta femme à la maison. Tes propres enfants, tu les maltraites parce que tu as une nouvelle conquête. Parce que quelqu'un d'autre a pris ton cœur dehors. Quand on est enfant, quand on est jeune et puis on souffre, on dit un jour quand ça va aller chez moi, mes enfants ne vont pas passer par là où je suis passé. Quand on n'a rien, on pleure, on dit, oh Dieu, donne-moi, bénis-moi pour que je puisse être heureux et m'occuper de mes enfants. Mais ce n'est pas que vous n'avez rien, Dieu vous a béni. Vous avez de quoi vous occuper d'eux. Mais parce que quelqu'un d'autre, une autre femme a pris votre cœur dehors. Pour ça, vous maltraitez et votre femme et vos enfants, vos propres enfants. Donc, quand on n'aime plus la maman, les enfants ne sont plus nos enfants, quoi. Quand vous n'aimez plus une femme, donc ses enfants, les enfants que vous avez eus avec elle, ce n'est plus vos enfants. Comment on peut maltraiter ses propres enfants? Parce qu'on a trouvé une maîtresse. Et c'est les enfants de cette maîtresse-là maintenant qui sont tes enfants. Et c'est d'eux que tu t'occupes. Et tes enfants agonisent chez toi. Et la pauvre femme que tu as épousée est à la maison. Elle souffre, elle pleure. Mais dans tout ça, est Dieu. Et Dieu, un jour on va quitter sur cette terre. Personne n'est éternel. L'être humain, ce n'est qu'un souffle. Quand notre souffle part comme ça, le corps il va retourner à la poussière. Et on va aller rendre compte à Dieu. Il va nous poser des questions. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Nous allons partir. C'est ce qu'on a posé comme acte qui va rester. Ce sont les valeurs humaines là qui restent. Les mêmes enfants que vous maltraitez, ce sont eux qui vont s'occuper de vous un jour. Et quand ils vont devenir grands, vous aurez honte de les regarder. Vous aurez honte de les regarder dans les yeux. Parce que quand ils étaient enfants, vous les avez maltraités. Vous-même qui êtes leur propre papa, vous les avez maltraités. Donc ces enfants-là, vous ne pourrez pas les regarder dans les yeux. Parce que dans tous les cas, un enfant deviendra grand. Il deviendra grand. Un enfant deviendra un adulte un jour. Donc calmons-nous un peu, ressaisissons-nous un peu. Comment, avec les messages qu'on nous envoie, des pères de famille, qui, non, c'est méchant. C'est méchant. Des enfants qui pleurent, qui souffrent, qui, parce que ils se retrouvent même souvent dans la même école avec leurs demi-frères, leurs demi-sœurs. Et eux, ils n'ont jamais de petit déjeuner. Ils sont mal habillés. Ils sont dans des haillons. Ils n'ont même pas d'effet scolaire. Et l'autre a tout. On dépose l'autre même à l'école. Et ceux-ci-là, ils doivent marcher. Ils doivent parcourir des kilomètres. Ils doivent transpirer. Ils n'ont même pas d'effet vestimentaire. Ils n'ont pas d'effet scolaire. À peine si on paye leur scolarité. À peine s'ils ont à manger. Mais en même temps, ce n'est pas que papa n'a rien. Hein, mais son cœur est pris par quelqu'un d'autre. Même si ton cœur est pris. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on a les moyens que nos enfants doivent souffrir, qui va s'en occuper? C'est pas qu'ils sont orphelins. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et tes enfants pleurent, souffrent dans ta propre maison. Un jour, on va quitter la terre, on va rendre compte à Dieu. Pourquoi un père de famille peut être mauvais, méchant comme ça, envers ses propres enfants? Parce qu'on n'aime plus sa mère, on n'aime plus leur mère, on aime une autre femme dehors. Donc, on se sent obligé de maltraiter ceux qui sont à la maison. Un jour, on va rendre compte. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Je ne suis pas en train de vous juger. Hein? Je suis pasteur. Le pasteur doit, de temps en temps, tirer sur la sonnette d'alarme comme ça pour que chacun se ressaisisse. Quand souvent on parle, les gens disent, ah, vous nous jugez. Je vais vous dire, si tu la tais ici, là, si tu trouves quelqu'un qui peut te juger avant que Dieu ne te juge, il faut lui dire merci. Dis-lui merci parce que le jugement de Dieu, là, c'est terrible. Donc, si quelqu'un peut te rappeler à l'ordre pour que tu te ressaisisses, là, dis-lui merci. Mais vous me jugez. Et puis je dis tous les jours, Dieu n'a pas de chouchou. C'est que je suis en train de prêcher. Si vous-même, je n'applique pas. Allez-nous tous de l'autre côté. Dieu n'a pas de préférence. Ce qu'on dit, on doit nous-mêmes l'appliquer. Donc ce que je dis là, c'est valable pour vous et pour moi. Pourquoi? Vous pouvez avoir les moyens et vos enfants souffrent chez vous parce que papa, le cœur est emporté par une autre. Et donc, il n'y a pas de popote. Les enfants, ils sont là, ils ont faim. Mais les courriers que des enfants m'envoient. Mais non! Pourquoi un père de famille peut agir comme ça? Pourquoi?
J'aimerais vous remercier pour la confiance que vous m'accordez en me faisant venir vos histoires, vos préoccupations, les situations difficiles que vous vivez ou bien que vous avez vécues et que vous aimeriez qu'on partage pour pouvoir vraiment aider ceux qui sont encore dans ce cas-là ou alors pour pouvoir vraiment rappeler à l'ordre chacun de nous. Merci. Il y en a qui disent « tu n'as pas encore raconté mon histoire ». Je répète, c'est quand il y a un enseignement qui va dans ce sens qu'on prend vos histoires comme, voilà, pour illustrer l'enseignement, pour que ça puisse édifier le peuple de Dieu. Alors vraiment, il y a des histoires très touchantes. Quand tu finis d'écouter, vraiment, ou bien tu finis de lire ce qu'on t'a envoyé, toi-même tu es touché, tu es découragé. Hé! Mais c'est pas possible, des choses se passent dans les maisons, des choses se passent dans les foyers. Comment? Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une jeune dame qui me l'a fait venir, comme d'habitude, on garde l'anonymat. Et ça s'est passé quand ils étaient enfants. Aujourd'hui, Dieu merci, ils ont tous grandi, et chacun a sa petite situation, ils s'en sortent. Alors, leur père est un grand commerçant. Mais avant de devenir un grand commerçant, il a commencé tout petit, avec des petites affaires. Et ça n'allait vraiment pas. Et donc, ils sont cinq. Avant d'être cinq, le maman a commencé à faire les enfants un à un. Et il louait une petite maison là. Et puis, à l'entrée, devant la porte, au bord de la route, le maman, très battante, malgré qu'elle faisait les enfants, elle vendait, elle avait sa table et puis elle vendait. Donc, c'est avec ça que la maman, elle fait la popote. Elle s'est toujours occupée de la famille, donner à manger, et puis son mari mange, il se débrouille, il se débat comme ça. Et à un certain moment, ben, le commerce de papa, ça a commencé à prendre. Et le monsieur, il a commencé à faire import-export, voilà, c'est un grand commerçant, et puis tout a décollé pour lui. Oh, la fille dit, plus papa devenait riche, plus leur misère augmentait. C'est triste, hein? Plus papa devenait riche, plus la souffrance à la maison augmentait. Ça fait pitié. C'est-à-dire que normalement, plus papa devient riche, plus la joie, la prospérité, la paix devait venir à la maison. Mais c'était le contraire. C'est comme s'ils auraient préféré même que le papa il reste pauvre pour qu'il y ait toujours l'harmonie chez eux. Alors elle dit que quand papa a commencé à devenir riche, là, c'est fini. D'abord, c'est la maman qui l'a commencé à insulter. Il la trouve vieillissante. Il trouve qu'elle est en train de vieillir et tout ça. Elle dit, moi, je suis très battante, mon mari. Quand tu commences à avoir l'argent, il faut me donner les moyens. Je vais faire ma boutique ou alors je vais agrandir ma table là. En tout cas, je peux me battre, toi-même tu sais. Il dit non, son argent n'est pas pour ça. Son argent, c'est pas pour ça. Et quelques temps après, ils apprennent que leur papa, dans le quartier, il a acheté une maison et il a déposé une maîtresse dedans. Et donc, cette maîtresse-là, quand lui vient, c'est là-bas d'abord qu'il passe. Et il vient maintenant chez eux. La petite maison où ils étaient, ils ont quitté la petite maison. Je ne sais pas s'ils ont acheté aussi une maison pour eux, mais si ils ont loué. Mais maintenant, ils ont changé de maison. Mais tout se passe chez l'autre, chez la maîtresse. Ici, pour donner la popote, c'est tout un tas de problèmes. C'est toujours la mère qui continue de nourrir les enfants avec sa petite table. La même petite table qui refuse de financer, qui refuse d'appuyer pour que ça puisse grandir. Elle doit toujours s'occuper des enfants avec ça. Pourtant, ça va très fort chez le monsieur. À un certain moment, le monsieur achète une belle voiture. Et maintenant, la voiture, là, il dit à sa femme, « Toi, interdiction formelle de monter dans ma voiture. Que la place que tu vois à côté de moi ici, là, la place, là, elle est déjà occupée. Elle est déjà occupée. » Et la femme dit, « Gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. » Et donc, il y a des fois, elle voit son mari passer comme ça. Et la maîtresse, là, celle qui est assise à côté. « Ah, donc, cette place occupée, là, c'est pour elle. » C'est pour elle. Et elle et ses enfants, ni elle, j'ai oublié, ni elle, ni les enfants, ne doivent monter dans cette voiture. La voiture, là, c'est pour la maîtresse et lui. Et après, la maîtresse, elle aussi a commencé à faire ses enfants. Elle en a fait deux. Donc, la fille dit qu'ils se retrouvent même dans la même école avec leurs demi-frères, leurs demi-sœurs. Et ils ont tout, sauf eux. Ils ont vu les enfants, là. C'est sous leurs yeux que les enfants, là, sont nés. Donc, ils sont un peu plus grands. Mais il faut voir. Pendant que les autres sont petits, il faut voir tout ce qu'ils ont. Et elles, leurs petits frères, qui ont à peu près le même âge que ceux-ci-là, n'ont pas ce que les autres-là ont. Mais quand le papa il arrive à la maison, si la mère essaie de parler, on lui porte main, on l'humilie, on l'insulte devant les enfants. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'ils ont grandi. Et chaque fois, elle dit qu'elle a son frère qui voulait même se révolter. Sa maman lui dit non, c'est ton père. Elle lui a toujours donné de bons conseils. Ne jugez pas votre papa. Mais quelle femme elle est? Quelle femme elle est? Il va l'insulter. Regarde comment tu es. Tu ne me mérites pas. Tu ne mets pas à ma hauteur. Et tout et tout. Mes frères, mes soeurs, dites-moi, est-ce que c'est comme ça qu'on doit se comporter? Et Dieu dans tout ça?
Et Dieu qui nous a donné le souffle de vie, qui est l'homme. Mais vraiment, quand l'homme veut devenir mauvais, on dépasse Satan, on dépasse le diable, on dépasse même les démons. Pourquoi on peut faire ça à une femme qui t'a aimé, qui t'a soutenu pendant que tu n'étais rien? Elle t'a fait 5 enfants, tu dis qu'elle est vieillissante. Les enfants, elle ne les a pas crachés. Elle ne les a pas crachés. C'est toi qui as mis les enfants là dans son ventre. Les enfants là vous appartiennent à tous les deux. Si tu trouves qu'elle est en train de vieillir parce qu'elle a fait les enfants, mais la beauté se trouve où? À la pharmacie. La beauté se trouve où? À la boutique. Ça se trouve dans les commerces. Donne-lui les moyens, tu vas voir la même femme là, comment elle va devenir. C'est parce que de l'autre côté, tu finances. Pourquoi? De telle méchanceté. Pourquoi? Tu peux maltraiter ta femme et tes enfants. Tu es devenu riche, tu as les moyens, mais ils doivent souffrir. Aujourd'hui, qu'elle raconte l'histoire, papa n'a plus rien. Parce que quand, ce que vous ne savez pas là, ce genre de comportement, ça attire la malédiction. Ça attire la malédiction. Parce que quand il y a des gens qui agonisent chez vous, qu'il faut... les malheurs là viennent sur vous comme ça. Ta richesse ne peut pas durer. Ta bénédiction ne peut pas durer. Parce qu'il y a des cœurs meurtris. C'est ce que vous ne savez pas. Surtout que ce sont vos femmes et vos enfants. Vous vous attirez des malheurs tous les jours. Mais c'est quoi ça? Et donc, elle dit aujourd'hui, papa, il est tombé, il n'a plus rien. La dame, elle est partie avec ses enfants, avec la maison qu'il a achetée, il a mis en son nom, c'est pour elle maintenant. Et c'est eux, les enfants de cette femme-là, qui ont grandi, qui ont leurs petits moyens, qui s'occupent de papa, qui est malade, qui lui achète les médicaments et tout. Forcément, ça termine mal. Parce qu'on ne peut pas semer le mal et recueillir ce qui est bon. Non. Tu vas terminer mal si tu agis comme ça. Galates chapitre 6, le verset 7. Vous pouvez aussi le lire là-bas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà, c'est la parole de Dieu que j'ai lue. Le Seigneur dit de ne pas se tromper. Dieu ne se moque pas de lui. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, nous devons faire attention à ce qu'on sème. Il y a la semence physique, il y a la semence spirituelle. Voilà. Les actes que nous posons, là, ce sont des semences spirituelles. Ça va pousser et on va récolter ce qu'on a semé. Donc, faisons attention. En tant que pasteur, cette parole-là, ce n'est pas pour vous juger. C'est pour que vous puissiez vous ressaisir. Si tu te retrouves dans cette parole et que tu sais que tu fais partie des pères de famille qui maltraitent leurs femmes et leurs enfants, mon frère, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir, il faut changer d'attitude parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Nous allons avoir une grande conférence internationale en début d'année 2020. Ça s'appelle la conférence internationale pour la moisson abondante. Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est l'heure de moissonner. Parce que la moisson de Dieu abonde, mais peu sont les ouvriers. Donc nous allons enseigner la parole de Dieu afin que chacun de nous puisse savoir ce qu'il a à faire. Afin que chacun de nous soit équipé spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. Donc 2020, nous allons annoncer dès le début de l'année. Le thème de la conférence s'appelle... Le thème c'est 2020, zone sans guerre. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Il y a un temps où Dieu te fait entrer dans le repos, dans la gloire, dans la grâce. Et c'est ce qu'on veut proclamer sur l'année 2020. Donc vous tous qui êtes en train de me suivre, préparez-vous. Nous faisons les croisades, nous faisons les retraites, mais nous allons aller à cette conférence-là pour recevoir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu pour pouvoir entrer dans une zone sans guerre, sans guerre au niveau de 2020. Donc c'est le samedi 25 janvier. De 14h30 à 20h30 à l'espace Chevreul au niveau de Nanterre. On aura l'occasion d'en parler suffisamment. Dès maintenant, préparez-vous. En attendant, nous continuons les croisades de prière. La prochaine, c'est le samedi 14 septembre à partir de 14h30 au niveau de Aubervilliers. L'adresse, c'est la même, 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le thème est « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». À ne pas rater, à ne pas rater. Après la croisade, nous avons la retraite spirituelle. Cette fois, c'est au niveau de Tourcoing. C'est du 28 au 29. Voilà. Du 28 au 29 septembre, c'est-à-dire du samedi au dimanche. Donc, appelez-nous pour prendre toutes les informations. Comme ça, vous allez venir chercher Dieu dans ce temps de retraite spirituelle. Si vous voulez nous suivre régulièrement, il est important d'être abonné. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Si vous me recevez sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner. Et si vous me recevez sur Facebook, vous cliquez sur j'aime, là où il y a le doigt. Et surtout, il faut partager la vidéo. Partager comme vous le faites, comme ça, tout le monde va recevoir. Et puis les gens, chacun de nous va mettre de l'ordre dans son comportement. Que Dieu vous bénisse.